Le singe vervet est facile à reconnaître, petit primate à la tête ronde, à la longue queue à bout noir, aux mains noires et aux paupières roses. Si vous visitez une réserve naturelle sud-africaine et que vous vous trouvez parmi des arbres épineux, levez les yeux et regardez si vous pouvez repérer des formes gris-argent, des visages sombres et de longues que vous êtes en territoire parfait pour le singe vervet. De plus, les mâles ont des scrotums d'un bleu vif, ce qui les rend inimitables. La longueur du corps varie de 40 à 60 cm. La queue peut atteindre jusqu'à 70 cm. La masse se situe entre 4 et 6 kg. Les mâles sont beaucoup plus grands que les femelles. L'extrémité de la queue est jaune d'or ainsi que le dos des cuisses et les favoris sur les joues. Il n'a pas de bande de fourrure sur le front, comme les autres espèces de Chlorosbu. Les mâles ont un scrotum bleu pâle voire un peu verdâtre. Il vit en lisière des zones boisées et dans les savanes africaines, notamment du Sénégal et de la Guinée. Il est abondant dans le parc national du Niokolo-Koba au Sénégal. Sa population y est estimée à 30 000 individus. Il a été introduit dans les îles du Cap-Vert, au nord-ouest de l'Afrique, dans les îles antillaises de Saint-Kitts, Nivet, Saint-Martin et à la Barbade. Il se rencontre dans un large éventail d'habitats boisés, allant de la forêt du Sahel très sèche jusqu'aux forêts tropicales. Il est également souvent vu dans les régions côtières, où il se nourrit d'aliments de bord de mer comme les crabes. L'activité est diurne. Il vit sur le sol, ainsi que dans les arbres. Il se rencontre en groupes constitués de quelques mâles, de femelles et de jeunes, qui peuvent atteindre 80 individus. Au sein des groupes existe une hiérarchie stricte pour l'accès à la nourriture et aux soins de toilette quotidienne, social grooming, point. La femelle, après une gestation d'environ 160 jours, donne naissance à un petit, qui atteint la maturité sexuelle entre 4 et 5 ans. Il vit sur le sol, ainsi que dans les arbres. Il se rencontre en groupes constitués de quelques mâles, de femelles et de jeunes, qui peuvent atteindre 80 individus. Au sein des groupes existe une hiérarchie stricte pour l'accès à la nourriture et aux soins de toilette quotidienne, social grooming. La femelle, après une gestation d'environ 160 jours, donne naissance à un petit, qui atteint la maturité sexuelle entre 4 et 5 ans. En milieu naturel, son alimentation comprend des fruits, des feuilles, des racines, des graines et à l'occasion des œufs, de petits reptiles ou des oiseaux. Contrairement à la plupart des autres primates, le singe vervet n'est pas rebuté par les climats arides à condition qu'il y ait une rivière ou un ruisseau à proximité et beaucoup d'acacias. Il mange de la gomme d'acacia, des fleurs, des graines, des feuilles et, bien souvent, des œufs d'oiseaux qui nichent dans les arbres. Il mange aussi des lézards, des coléoptères et même de l'écorce et du bois. Ils sont très interactifs et divertissants à observer en raison de leur vie sociale complexe, surtout lorsqu'il y a des bébés dans les environs. Les bébés vervets s'accrochent au ventre de leur mère pendant 4 mois, après quoi ils sont sevrés et encouragés à marcher et à grimper, se balancer et courir dans les branches par eux-mêmes.
Le singe vervet émet plusieurs sons caractéristiques, notamment des bavardages en staccato, des gazouillis et un aboiement abrupt qui semble signifier « arrête ça ». Les zoologistes ont identifié au moins 36 sons différents, dont 3 cris d'alarme distincts qui identifient les menaces des prédateurs comme étant des serpents, des mammifères ou des rapaces. Les vervets se portent très bien. Cependant, dans les zones plus tropicales, vous êtes presque certain de les apercevoir le long des routes rurales du KwaZulu-Natal, par exemple. Comme les autres singes, ils sont de grands distributeurs de graines, ce qui explique pourquoi les forêts sont généralement très dépendantes des primates. Bien sûr, ils sont aussi très heureux de faire des raids dans les fermes, les vergers et les jardins potagers. On trouve le singe vervet généralement près des arbres, à quelques centaines de mètres près, mais il fouille souvent le sol. Parfois, on le trouve debout, la queue sortie comme un suricate, regardant par-dessus l'herbe. Il se met rarement à l'eau, mais lorsqu'il le fait, généralement s'il est poursuivi, c'est un bon nageur. Ce n'est que depuis une trentaine d'années que le singe vervet est considéré comme autre chose que de la vermine en Afrique du Sud. Il a été classé comme tel jusqu'en 1987, et les agriculteurs les abattaient souvent à vue. Aujourd'hui, bien qu'il soit suffisamment commun pour être classé comme moins préoccupant sur la liste rouge de l'UICN, il est protégé et a des protecteurs comme Dave Dutoit de la Fondation du singe vervet à Dzanine, dans la province du Limpopo. Le singe vervet suscite également un intérêt sérieux pour la recherche. Dans la réserve privée de Samara, dans la province du Cap-Oriental, des scientifiques et des bénévoles étudient comment il fait face aux températures extrêmes du Karoo, une région aride. L'une de leurs découvertes les plus intéressantes jusqu'à présent est que les vervets peuvent vivre sans eau pendant un mois, un record pour un singe. Les singes verts sont assez téméraires et ne craignent pas la cohabitation avec l'homme dans de nombreuses grandes villes d'Afrique, où ils disputent souvent les déchets d'origine humaine aux autres animaux comme anseaux, chats, rats et oiseaux, pigeons, corbeaux. Particulièrement agiles, ils sont également capables de voler de la nourriture laissée sans surveillance et se livrent parfois à de véritables pillages dans les maisons, à la recherche de nourriture, fruits, gâteaux. S'ils constituent parfois un problème, ces animaux sont bien trop charismatiques auprès des touristes pour que les pouvoirs publics entreprennent la moindre action à leur encontre. La lutte se limite généralement à l'interdiction de les nourrir. De jeunes singes vervets sont parfois élevés comme animaux de compagnie, les propriétaires recourant souvent à la castration et au limage des canines pour diminuer leur agressivité et leur dangerosité. Néanmoins, un tel animal est susceptible d'avoir des réactions imprévisibles et surtout un potentiel de destruction extrêmement élevé dans une habitation. Leur détention en captivité est interdite ou étroitement réglementée dans de nombreux pays. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.